Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'enquête sur Strangerville. Ok, il se met tout de suite à faire des pompes, c'est normal. Je vous retrouve après, la fabuleuse épopée de Miss Naomi qui était complètement possédée grâce aux fruits qu'elle a mangés et qu'on avait enfin récupéré un passe pour aller au laboratoire secret. Alors, tu vas pas aller boire, non, tu vas pas boire, tu vas aller aux toilettes, tu vas aller aux toilettes. S'il te plaît, Karl, tu ne bois pas. Qu'est-ce qu'il est beau gosse, hein, quand même. Et puis, on va aller au laboratoire secret, puisque c'est là qu'on doit. Bah, c'est là où tout nous mène, en fait, hein. Et puis, de toute façon, ouvrir la porte scellée du laboratoire secret, on va y aller. Je sais pas si je la prends, elle, puisqu'elle risque d'être. Mais bon, on peut rigoler comme ça, donc je vais la prendre. Tu vas faire un petit pipi aussi, mademoiselle. Et puis, comme ça. Vous serez quasiment prêts. Et nous voilà au Secret Lab. Oh, j'avais pas vu la bagnole. Oh là là, c'est qu'il se passe des trucs, hein. On peut pas y aller, bizarrement. C'est vrai que je me suis souvenu qu'après, que de toute façon, on n'avait qu'un seul passe pour deux personnes. Donc, ça ne sert à rien que l'autre, elle soit venue, mais c'est pas grave. On va la faire venir là. Et lui, il va. Utiliser sa carte d'accès. Houhouhou. Et c'est parti. Oh! What? Mais tu vas où? Il descend tout seul, d'accord. Mais il s'est fait infecter là. Crotte de bique! Mais déjà, je t'ai pas demandé de descendre, car moi je voulais pas que tu descendes, t'as libéré les spores! Alors, qu'est-ce que dois faire maintenant? What the fuck? C'est quoi ça? On va pas rentrer là-dedans, hein, c'est hors de question. Ah ouais, mais regardez. Par contre, c'est super beau, hein, on va pas se mentir. Mais on ne va pas y aller, les gens, c'est hors de question. Oui. Non. Alors, du coup, j'étais où? J'étais comme ça. Ouais. C'est quoi ça? Contempler. Tu vas contempler ça? Tu vas contempler ça. Il y a. Ok. Ah, on va peut-être aller ici. C'est peut-être. Oui, bah, ça clignote. Donc, c'est ici. Rassembler des données sur le profil de l'infection. Hein? Oh, il y a des plantes. D'accord. C'est un peu étrange tout ça. Tu vas venir là après, Coco, hein. Je veux pas que tu ailles dans la zone. Ah, il y a pas mal de choses à faire, d'accord. D'accord. Et la meuf là. Elle. Oh merde! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible! Elles ont grossi! Mais non! Bah oui, mais quand même. En fait, ça a libéré des spores qui ont fait que, genre, les. Elles ont grossi, en fait, elles sont genre. Se sont reproduites ou je sais pas quoi, là. En fait, c'est pas forcément lui qui vient infecter, c'est juste qu'on a fait encore pire. Tu vas venir là, meuf? On les a polonisés, quoi. Ah, mais c'est parce que c'est fermé! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas compris. Il faut faire quoi? Bah, je vais peut-être regarder son aspiration, ce que ça doit être. Obtenir 15 amas de spores. Assembler la combinaison de protection. Aller dans la partie la plus souterraine du laboratoire secret. 15 amas de spores. Rassembler les données sur le profil d'infection. Nécessite 15 amas de spores. Poser les questions militaires au bar local pour obtenir un scanner à infection. Il permet de trouver des amas de spores. Ah! Ouais, moi j'irai pas ici, hein. Mais bon. Ah, il y a un escalier là. Ok, bon. En gros, là, je suis rentrée, mais je dois ressortir. Parce que je peux pas faire grand-chose. Faut juste que je parle aux gens. Par contre, ils ont aucune. Ils font rien de leur life, quoi. Ils sont là, ils se demandent ce qui se passe. Ok, super. Eh ben, dans ce cas-là, on va aller au militaire. On va aller au bar.
On va interroger nos militaires favoris, parce qu'on ne peut rien faire. En tout cas, ce lab, j'aime beaucoup, c'est très beau. Alors, ça s'échappe là par ces conduits d'aération. Il y en a un petit peu ici. Pour l'instant, ça passe pas à la porte. Donc, ok. Bon, on va aller au bar alors. Hein. Ah, la floraison commence. En quittant le laboratoire secret, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer que le ciel a pris une couleur bizarre. Quelque chose a changé à Strangerville et cela n'augure rien de bon. Ouvrir cette porte au laboratoire doit avoir libéré un genre de toxine dans l'air. Oui, j'ai remarqué. Vous devez trouver un moyen de vous protéger des spores toxiques du laboratoire secret. Essayez de parler à des gens en ville pour voir s'ils savent quelque chose qui pourrait vous aider. C'est la plus belle heure pour tous les simradins. Tout le monde peut boire après réduit. Bah dis donc, c'est vachement d'actualité. Donc tu dis que ouais. En tout cas, c'est à part les plantouillettes là qu'ils ont grossi d'un coup. Pour l'instant, ça va. Qu'est-ce que vous foutez là, vous, les mecs d'heure de gloire? Non mais franchement, vous avez rien à foutre là. Lui, on le connaît bien. Posez des questions sur le sport de laboratoire, Fallait de Strangerville, et tu vas le complimenter. Ce sera déjà pas mal. C'est vrai Il y a des spores qui se baladent partout là. C'est flippant, un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je viens de recevoir ce nouveau scanner à infection. Il est génial, il sert à. Enfin, je veux dire, ce sont des informations secrètes. Mais si vous parvenez à me convaincre, je pourrais peut-être vous en donner un. Circulez! Je dois utiliser mon scanner à infection pour trouver les amas de spores à analyser au laboratoire. Tu en dis trop, mon ami. Oh, c'est dur pour obtenir un scanner. Se battre pour obtenir un scanner. Bon, mon chat, arrête de faire le con à côté, tu me donnes du bruit. Impressionné pour obtenir un scanner à infection. Donner un pot de vin pour obtenir un scanner. Ah, on n'est pas très riche, mais quand même. Convaincre de donner un scanner à infection, donc on est sur le même truc. Bon, on est plutôt amis. Enfin, presque, je dirais. Tu vas complimenter, tu vas complimenter la tenue. Je crois qu'il s'en va, c'est ça? Ah non, un casse-couille. Hein. Tu dois le convaincre. On va essayer de l'impressionner. On va tenter plusieurs approches. Là, t'es en train de l'impressionner? C'est ça que tu... Il s'en fout, il te regarde pas, gars. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas sûre que faire des pompes, ça l'impressionne, par contre. J'ai juste fait impressionner, mais... Séduire? Oh, oui, on pourrait le séduire! Mais quand même! Ah bah, il a fini. Vous plaisantez? Vous croyez que c'est impressionnant? Vous allez devoir développer votre force si vous m'impressionnez. Oui, bah oui, il a fait des pompes pendant genre un quart d'heure, là. Tu crois que c'est... c'est nul? On va essayer de... Quitte à se fourvoyer dans la luxure, autant prendre une bonne cible quand même. Hein. Elle a l'air sympa. Tu vas poser des questions. Tu vas te présenter amusamment. Voilà. Ah, voilà, circuler. Bah, va prendre ton truc à infection, mon gars. Hein. Qu'est-ce que je te dise? Quelqu'un a pénétré dans le laboratoire et libéré les spores. Nous utilisons nos scanners d'infection pour les trouver. Bon, opération séduction. Les deux vont se mettre à discuter avec les militaires, vu que ça grouille. De toute façon, ça va pas être compliqué. Voilà. Mais on va essayer d'en choper une, quoi. Hein. Une ou un, c'est pas grave. On arrivera bien à nos fins, de toute façon. Nous sommes des fins limiers. Nous savons comment séduire du Sims. Bon, Elodie Roux, tu seras notre cobaye. C'est toi qui vas nous révéler des choses. C'est toi que l'on va séduire. Voilà, c'est trop tard. Tu es la cible. Bah, c'est bien, il chope une bonne réputation au passage, Karl, donc on va pas dire non, hein. Se battre, donner un pot de vin. Non, 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 on va continuer à discuter, voilà. Hein. Complimenter. Oh! Elle a réussi à avoir une preuve, elle. Comme quoi? Il y a moyen? Convaincre de donner un... Ah oui, toujours. Bon, bah, séduire, se battre. Tu vas séduire. Je pense qu'on est assez... Peut-être... On n'est pas amis, mais bon. Si, on est amis. Ok. Oh! Ah ouais! Waouh, merci, mais non, je garde mon scanner à infection. D'accord, j'ai compris. On va retravailler encore un peu plus. Oh! Ça y est! Elle est redevenue chelou. Elle est redevenue chelou. Au secours, au secours. Plus rien n'est possible.
discuter des choses humaines, parler de plantes, se plaindre des problèmes d'humains normaux. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. Elle est magnifique comme ça. Bon, ça va, elle a été longtemps normale, hein. Là, on en a pour combien de temps? 3 heures, bah voilà. Tu devrais lui foutre une petite claque, tiens. Allez, tu manges tes chips et puis tu la remets en route. Elle est complètement starbée. Écoutez les divagations incohérentes. Bon allez, vous êtes dans un sale état, les militaires sont partis, on continuera demain. Ça y est, poulet fou. Et encore pris, elle m'a dit. Et ça? Ah, tu peux discuter avec la plante et prendre soin de la plante. Bah viens alors qu'on rigole. On va voir ce que ça fait. C'est du grand n'importe quoi. Allez. Peut-être qu'elle va réagir, la plante, hein. Elle chante, la plante. Elle lui répond. Cette tête, quoi. C'est juste pas possible. Ça me fait tellement rire. Ah, elle est redevenue normale. Contempler les plantes bizarres, prends une photo. Prends soin de la plante. Eh bah, tu vas prendre une photo. Provoquer? Ouh là là, ça peut faire quoi si on provoque une plante? En fait, j'ai envie d'essayer, mais bon... Au point où j'en suis, tu vas la provoquer, puis on verra ce que ça donne. Pendant que Carl, c'est lui qui mènera l'enquête. La pauvre Naomi, en fait, ça devient une victime dans mon let's play. What? Elle a juste popé comme ça, là. Ça m'a fait... C'est bon. Ah, mon Dieu. Vas-y, provoque encore. Je suis pas sûre que ça, c'était bien. En tout cas, elle a pris soin de la plante. Et d'un seul coup, ça a fait grandir. Tu vas aller là. Tu vas prendre soin de la plante, là. Aussi. Bon, bah, tant qu'à faire, hein. Eh, viens, cocotte. De toute façon, t'es en bonne... Alors? Ah, mais c'est flippant! J'ai faim de ces bons, moi, tout à l'heure! Oh, c'est trop chelou. Beaucoup trop chelou. Bleh. Mais elle parle, cette plante. Et là-haut, c'est le fruit. Regardez, récolter le fruit bizarre. Oh, 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 oh! Oh là là. Bon, on va peut-être le récolter, mais on va pas le rebouffer. En tout cas, si quelqu'un doit le bouffer, ce sera Naomi, hein. Honnêtement, après j'ai peur qu'elle devienne forever possédée, donc voilà. Wow! Voilà, elle a récolté le fruit. Et elle va récolter celui-là. Du coup, c'est... Elle redevient à l'étape d'avant, en fait. Ok, très bien. Bah voilà, en fait, on pourrait s'occuper de chaque plante et récolter plein de... fruits bizarres qui sont pas très chers finalement, ils sont seulement à 2 simfous, donc on va pas faire fortune avec eux en tout cas. Mon beau Carl, tu sais ce que tu vas faire, tu vas appeler ta pote Elodie. Normalement elle devrait travailler, mais peut-être qu'elle viendra quand même pour que tu finisses de la séduire, et après tu iras prendre ta douche évidemment. Elle va arriver, nickel. Mais what? J'ai de la végétation dans le... Il y en a que là? Mais pourquoi ça vient dans la salle de bain? Oh là là! C'est vraiment chelou ce qui se passe ici quand même, hein. C'est toi qui enlèvera ça parce que je veux pas que de Carly touche, hein. Non. Je veux dire, si, je veux pas forcément en avoir 2 d'infectés, ce serait dommage. Oh ben voilà, il a la même réaction que moi. Ouais, bah, t'y touches pas, hein. Tu séduis la elle, plutôt, mon cœur, mon amour, vous êtes tellement belle, votre coiffure est si parfaite. Et puis tu, voilà, hein. Ça devrait être bon, là. Alors?
Mais c'est ta plante chérie qui a fait ça? Ah, il faut juste nettoyer un coup de lavette comme ça, d'accord. D'ailleurs, la plante, elle va lui sauter au cou. L'exorciste, acte 2. C'est bon, ça s'en va? Moi, j'aurais plus arraché, en fait, mais bon. Si vous dites qu'avec une éponge... Ah! Ah, c'est dégueulasse. En tout cas, oui, c'est pas. Bon, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi il est... Il arrête pas de dire des conneries. Qu'est-ce qu'il a, le toilette? Pourquoi t'as un truc avec les toilettes? Botanophobie, que se passe-t-il ici? Ces plantes deviennent incontrôlables. C'est pas faux. Mais ben oui, mais t'as dit une connerie, là. Il faut la séduire. T'as dit quoi comme connerie? Oh là là. Bon, allez. Ça monte un peu, quand même. Tu vas la complimenter encore? Qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis pas de se taire quand tu regardes un film. C'est pas comme ça qu'on séduit une femme, hein? Faut te donner des cours ou quoi? Bon. Est-ce que tu peux séduire pour de bon, là? Pour le scanner, ça commence à devenir urgent. Là, parce que si les plantes, elles commencent à envahir les tuyaux, on va tous être dans la myrte, hein. Ah, mais non! Espèce de biatch! Voilà, bon, on avance tout doucement, mais on avance. On est bons amis maintenant avec elle. C'est un peu chiant, par contre. En plus, si je me gourde de personnage, c'est sûr que ça va pas avancer des masses, hein. Bon, ça commence à monter. On fraternise avec l'ennemi. Mais bon, tant qu'elle reste, tant qu'on augmente l'amitié, on va après augmenter l'amour, on verra bien. Parce que j'ai pas forcément envie de me battre avec elle, quoi. Ce serait pas cool. On bat pas une femme, voyons. Bon, opération double séduction. Il y a la plante qui sonne là encore, Antoine. Bon, va falloir que tu la chopes pour de bon là, hein. Tu vas envoyer un baiser. Peut-être que ça va lui faire des choses dans le ventre. Puis tu vas offrir un cadeau amusant. Ah, la coquine, elle aime ça. C'est vrai que là, au niveau de l'amitié, on a bien augmenté. Donc, il y a moyen, il y a moyen. Échange amoureux, les gens. Est-ce qu'il faut être à fond dans la... Ah, relation! J'ai eu peur, il est con, lui. Je vous jure, je m'attendais pas à le truc qui... Oh non, séduire. Allez, tu vas la séduire, ça y est. Regardez-moi ça. Elle succombe au charme de Karl en même temps. Qui ne succomberait pas? Vu le beau mec que c'est. Allez, enjôleuse, échange amoureux. Ça y est, ça marche! Ça marche! Waouh, c'était incroyable. Je ne devrais vraiment pas faire ça, mais prenez ce scanner à infection. Merci, cocotte. Allez, tu veux un petit bisou? Embrassez les mains. Voilà, comme ça, tu te seras pas émoustillée pour rien, ma belle. Maintenant qu'on a notre scanner, nous allons scanner ici. Ah ouais, oh, trop bien! Ah, c'est trop bien fait, la vache! Le bruit et tout, je kiffe. Ah ouais, d'accord. Tu peux mettre ça dans l'inventaire, mon coco? Ah ouais, et en fait, on peut l'utiliser encore nombre de scannages avant la recharge. Ok, très bien. C'est hyper sympa. Moi, j'adore l'idée. Alors, et il y a un endroit auquel on va aller aussi. Donc, tu es un peu fatigué, mais tu es encore en bon état. Qu'on n'a pas encore été. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'étirer? Ouais. On va aller avec Karl. Non, on va pas prendre de vacances. Non, qu'est-ce que j'ai cliqué? On va aller au terrain où il y a l'avion qui s'est écrasé. On est donc à Pénélope. C'est qui ça? Militaire. Ok, donc tu vas te présenter à monsieur, parce que c'est lui qui habite là, apparemment. Il a un super look d'aviateur, ça doit être le pilote de l'avion. Déjà, il nous parle. Raconterait une blague salace. Vas-y, oui, bah allez, mais bon, tu dragues pas, hein, c'est juste une blague, hein, d'accord? On est d'accord là-dessus. Tu vas parler de Strangerville, voir ce qu'il a à dire. Tu vas le flatter. Et tu vas partager des idées brillantes. Peut-être qu'on aura des choses à apprendre. Du coup, on va en profiter pour scanner ici.
De toute façon, on peut scanner un peu n'importe où, on s'en fout en fait. Du moment que vu que les spores se baladent un peu partout dans la dans la nature. J'adore! Qu'est-ce que tu es beau! Ça marche pas? T'as rien trouvé? Ah bah voilà, je suis tristesse, t'as rien trouvé ici. C'est bizarre d'ailleurs, non? Pourquoi il y aurait rien? Alors, tu vas frapper à la porte. On va voir ce qui s'y cache. J'aime bien avec la petite guirlande et tout, c'est trop mignon. Entrée. Ok. Ok. Oh bah dis donc, il vit dans un joli bunker. Tu vas. D'accord. Il y a un truc de plante ici. T'as des réserves. Ouais. T'as une superbe touche baignoire. Ça, c'est cool. Tu as une corbeille de fruits. Tu as un petit aquarium vide. Tu as ton. Ah, un ordinateur portable, parce que ça, c'est cool. Bon, il n'y a pas grand-chose, quoi. Est-ce que tu peux manger un repas rapide des céréales comme ça chez lui? S'il le prend mal, eh ben il a qu'à se réveiller. Hein. Bon, c'est somme toute sommaire, mais c'est pas mal. Et j'aime beaucoup la texture de tôle qu'ils ont mis pour vraiment faire un bunker. C'est parfait en fait. C'est vraiment ça. J'adore. J'adore l'idée, quoi. Il y a lui qui est en train d'arriver. Et on va rescanner un petit coup ici. Parce qu'il y a un peu plus de spores, il y a moyen qu'on récupère un autre amas. Sinon, c'est pas grave, on fera ça en ville à côté de notre petite maison. Retour à la maison, il va aller spiéter parce que là, il en puis plus. Et on continuera de scanner dans le coin puisque ça a fonctionné, on ira un peu partout. Enfin, du moins, on essaiera. Mais non, et maintenant, c'est les chiottes! Qui ont de la végétation. Alors ça me fait peur parce que t'es assis sur ta cuvette et puis t'as les branches qui arrivent. Je trouve ça pas cool quoi. D'ailleurs, elle y va juste après. C'est une coquine. Je crois qu'elle a envie de se faire prendre les fesses par la végétation. Bah. Et les plantes, elles sont revenues. Non! C'est horrible! C'est horrible. Oh, mais non! J'ai réussi à scanner. Bon, j'ai rien ramené. Encore une fois, j'ai pas. Oh là, il se passe quoi? C'est quoi cette musique? Ah! Elle l'a battu? Bah oui, parce qu'en fait. Regardez dans le vide. Il était en train de faire son scanner et ça l'a réveillé à l'intérieur, en fait. Ah, comme quoi elle a bien des spores à l'intérieur d'elle, hein. D'accord, et elle mate le frigo dans le vide. Ok, bon, il faut qu'on récupère des amas de spores. Il va falloir qu'on se bouge un peu. Il faut aller dans un endroit où il y a une forte concentration. Mais je sais pas où aller, en fait, vraiment, parce que j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins dans l'air. À moins qu'on aille vite fait ben, au truc, là, au laboratoire, parce qu'il n'y a que là que je vois qu'on pourrait y aller. Et ici, par contre, est-ce qu'il y en a? Ouais, j'en vois très peu en fait. Il y en avait beaucoup dans la maison, donc sur ça je l'ai fait à l'intérieur de la maison, mais. Il y en a moins. C'est très bizarre. Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois aller? C'est le stress! Bon, je vais essayer d'en récupérer un petit peu. Au pire, je vais aller au laboratoire parce que là, il y avait une concentration énorme. Hein. Je vais tenter un scan donc au labo. Non. Ouvre pas la porte, scan ici avant. En plus, il faut qu'il y ait le temps qu'il recharge, d'après ce que j'ai compris. Je sais pas si ça va marcher. Ah si! Oh punaise, on en a deux. Trop cool. Ça va aller plus vite comme ça. De ouf! Il y en a plein! Ah bah oui, j'ai bien fait de venir ici parce que c'est ici que je vais tout récupérer, quoi. Il nous en faut 15. Hop! On en est à 6, ce qui est plutôt une bonne moyenne, je trouve. Voilà, la vache! Scanne ici, mon gars, parce que là, vu la concentration, il y en a de plus en plus. Hé, reviens! Scanne sur le palier. Dès qu'il ouvre la porte, il fait des conneries, en fait. On n'arrête pas de faire des conneries, nous. On a réussi à en avoir 6 d'un coup, là, il devrait en avoir pas mal aussi, hein. Oui, ça, c'est bien. Nous sommes donc à 11 amas de spores sur 15. Ouh, tu vas venir scanner ici pour la dernière fois. Je pense qu'après on peut plus.
Nombre de scannages avant, je sais pas. Oh là là! Ah ouais, bah c'est bon là. On aura toutes nos appâts de sport, ça c'est cool. Oui! Oui! Nous avons gagné! Paf! On en a bien 15. Et maintenant, la suite, c'est eh ben, rassembler les données sur le profit de l'infection. Mais pour ça, eh ben, ce sera pour l'épisode prochain. Et oui, ben, il faut bien garder un peu de suspense, en tout cas pour moi, même si certains d'entre vous, vous avez connaissez déjà tout. Merci de ne rien me dire dans les commentaires, c'est normal. Ça ne se fait pas de tout balancer pour ceux qui veulent découvrir. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page YouTube qui est dans la description, ça vous permet de regarder des petites publicités pour pouvoir donner un peu de sous pour participer à la chaîne et pour l'achat des futurs packs Sims, etc. Je vous remercie, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des enquêtes à Strangerville. Allez, salut!